Hey, salut à tous, ici Evo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Alors oui, je sais, ça résonne un petit peu, tout simplement car je suis devant chez moi, je suis dans mon couloir, voilà. Et du coup les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. J'ai donc transformé mon appartement en la plus belle maison de Noël. D'ailleurs, il est peut-être temps d'aller se changer. Eh ben voilà, là on est pas mal, non? Eh, honnêtement, je fais un très, mais alors très laid Père Noël. Mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Allez, sur ce les amis, c'est parti, on va pénétrer dans mon appart. Préparez-vous à en prendre plein les yeux. C'est parti. Et je vais du coup passer la caméra en mode face. Allez, c'est parti, on y va les amis. Wow. Oh la beauté du lieu. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça les amis. Et honnêtement, j'ai l'impression d'être au pôle Nord. Regardez-moi toutes ces étoiles. Oh là là. Oh, oh mais c'est quoi ça? Oh là là, regardez-moi ça. Un Père Noël géant. Oh si ça c'est pas fou. Visez-moi un petit peu la déco. Eh, honnêtement, est-ce que vous aviez déjà vu un Père Noël aussi grand que lui? Hein? J'ai l'air vraiment, mais tout petit. Tout petit à côté de lui. Et donc, le petit salon, les amis, en mode mille et une nuits, j'ai envie de vous dire. Voilà donc pour la première pièce de mon appartement. Enfin, du moins, deux premières pièces. Cuisine, salon. Voilà. On passe tout de suite à la deuxième pièce. On quitte donc le salon, les amis, et on va se rendre dans mes toilettes. Hop, on va les allumer. Non, c'est pas ça. Trompé. Hop, c'est ici. Voilà. Les toilettes, les amis, qui sont là aussi personnalisées à l'effigie de Noël, avec le petit Père Noël qui fait sa balançoire dans mes chiottes. Hein. Le petit sapin juste ici, la petite guirlande. Honnêtement, là, t'es assez tranquille quand tu veux poser ton cake le matin. Hein. C'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est plutôt la classe. Allez, on continue notre visite, les amis, avec la troisième pièce. C'est la salle de bain. Qu'est-ce qu'il y a ici? Regardez! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il dans mon bain? Mais oui, regardez-le! C'est le petit nounours! Le petit nounours avec ses petits cadeaux. Hop là! Et ces petits flocons de neige. Waouh. Attendez. Je viens par ici. Regardez-le. Il est pas beau gosse, non? Waouh. Magnifique. Magnifique. Voilà pour la salle de bain, les amis. Superbe. Et enfin, on va passer à la quatrième et dernière pièce de mon appartement. C'est la chambre. Et ouais, au bout d'un moment, faut bien que j'y aille. Allez, on y va, c'est parti. Chut, pas de bruit. Pas de bruit. Regardez. Regardez. Attendez. Là.
Il y a la maman de Noël qui dort. Chut. Isabelle là aussi, juste ici. C'est pas comme toi. Et oui, joyeux Noël à tous quand même. Voilà, laisse dormir du coup, hein. Allez, tu te réveilles. Alors, en fait, je crois que c'était pas elle. C'était qui alors? J'ai pas compris. J'ai pas compris où elle est passée. Bon les amis, la petite surprise, c'est que ma copine n'est au courant de rien du tout. Là, elle est en cours, elle doit revenir d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Elle ne sait rien, elle ne sait rien de tout ça. Et du coup, on va la filmer et on va voir sa réaction. Voilà, honnêtement, je ne sais pas du tout comment elle va réagir. Mais en tout cas, sachez que ça m'a pris énormément de temps à décorer tout ça. En fait, ça m'a pris quasiment toute une journée, vu que là, il est actuellement... Mais il est actuellement 4h, elle finit à 4h30. Voilà, c'est tout simple, ça m'a pris toute la journée à décorer. J'espère qu'en tout cas le résultat vous a plu. Alors avant d'avoir sa réaction, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager un maximum de fois cette vidéo. Et merci énormément à Cdiscount qui m'a donc permis de réaliser ce magnifique décor de Noël dans mon appartement. Voilà, du coup les amis, on se retrouve dans quelques instants quand ma copine va arriver et qu'elle va donc découvrir l'appart. Voilà, c'est parti. J'avais pas mes clés. Oh, surprise. Oh my god. Oh non. Et voilà ma puce, quand toi t'es en cours, ce que je fais. Voilà. Oh là là. Voilà à quoi ressemble ton appartement. Non, c'est pas chez moi, je crois. Oh là. Tu vois, quand je te disais que j'avais une grosse journée aujourd'hui, hein. Oh, la déco de malade. Non, c'est quoi ce... C'est un Père Noël géant, oui. Tu as un Père Noël géant dans ta cuisine. Il fait 2 mètres, le bordel. Oh. C'est bien qu'en tout cas, il est plus grand que toi. Wow. Putain. Oh, alors, t'en penses quoi? Ah non, franchement, c'est beau. Hein? C'est beau. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Tu t'es gavé. Oh, les cadeaux et tout. Ouais, ouais. Oh non. Et j'ai fait toutes les pièces. Ah, je m'attendais pas à ça. Non. Si, j'ai fait toutes les pièces de la maison. Toutes? Bah ouais. Ah, tu vas bien taper, toi. Les toilettes, la salle de bain. Vas-y, va voir. J'ai peur. Oh, c'est quoi ce Père Noël au milieu des toilettes? Attends, du coup, je vois pas et puis attends. Attends. Voilà, du coup c'est une surprise. Voilà. Petite surprise que je t'ai fait. Salle de bain. Là, laisse éteindre. Ouais. Waouh, les flocons et tout. Pourquoi t'as fermé le boulet? Bah, ouh, là, tu vas voir. Oh, trop cute. T'as vu qu'il y a dedans la neige. Ouais. Putain, c'est trop mignon. T'as vu ça un peu? Ouais, ça tue. Ah, je me suis vraiment démené pour faire ça. Oh non, t'avais mis un sapin dans la chambre. Ouais. Alors là par contre tu risques d'avoir des épines après. Mais c'est un vrai sapin en plus. Ouais, ouais, celui-ci c'est un vrai. Les deux autres non, mais celui-ci oui, dans la chambre. Voilà. C'est quoi ce truc t'as dit? Ouais, ça c'est en fait ça devait être toi mais bon. Du coup c'était en attendant. Mais la couette Père Noël et tout. Ouais. Oh, ah ouais non mais tout y est. Tout y est. Waouh, ça voilà. De taré. Joyeux Noël, du coup, ma puce. Ouais, bah merci. Oh, je m'attendais vraiment pas à ça. Écoute, surprise, surprise. Attends, je revérifie parce que j'ai l'impression que je crois pas les yeux. Oh là là. Et honnêtement, est-ce que tu t'y attendais quand je t'ai dit que... Non, je croyais que t'allais faire le sapin, mais il est trop beau celui-là. Magnifique. Ah ben voilà. Voilà, du coup, les amis. Ah, le pire, c'est le Père Noël. Mais comment t'as fait pour... La petite surprise, les amis. Enfin, du moins, la grosse surprise, pour le coup. Waouh, truc de taré, la guirlande et tout. Et bien voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu. J'espère que sa réaction aussi vous a plu. Voilà, tu t'y attendais pas du tout. Bah non. Hein. Tu savais que je devais décorer un petit peu. Ouais, mais là. Mais de là à faire une décoration comme ça, honnêtement. Ouais, j'espère que ça t'a fait plaisir, ouais. Ma petite puce. T'es retombé en enfance. Ouais. Voilà, n'hésitez pas les amis à liker, commenter et partager un maximum de fois cette vidéo. Allez, honnêtement, si on dépasse pas les 50 000 pouces bleus avec une décoration comme ça et un Père Noël géant dans mon salon,
c'est qu'il y a un problème. Hein. Je compte en tout cas sur vous. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et Periscope Prévost officiel. Il y a du cadeau à gagner tout le mois de décembre sur mes réseaux sociaux. Il y en a sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Donc allez-y, suivez-moi sur tous mes réseaux et n'hésitez pas à participer à tous mes concours. Sur ce, bah écoutez les amis, nous on va vous laisser et on va profiter un petit peu de la magie de Noël ensemble. Encore merci à Cdiscount, merci à toi ma puce. Merci. Je te fais un petit bisou Père Noël. Voilà. Et à la prochaine. Salut.